Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soirkoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des skins gratuits, remboursés, offerts, les V-Bucks offerts, enfin des packs, des réductions, etc. On va parler un peu de tout ça parce que j'ai un petit peu un coup de gueule à faire contre tous les putains d'haters qui m'ont envoyé des putains de messages qui m'ont pris la tête. Et encore ce matin je me réveille, donc là je viens de me réveiller tu vois, je regarde les commentaires et je vois encore des gens qui m'insultent gratuitement, quoi. Moi, je donne mon avis, j'explique. Enfin, tu vois, je fais une vidéo. Je fais une vidéo. Je dis que le skin Vol de cœur déchu, il est gratuit. Parce que, je dis bien entre guillemets gratuit, tu vois. Je dis bien dans le titre, dans la miniature, il est marqué entre guillemets gratuit. Donc, ça veut dire quoi, entre guillemets? Ça veut dire que c'est une façon de parler, les frères, tu vois. C'est pour dire que c'est entre guillemets gratuit, tu vois, j'ai même pas besoin de l'expliquer, putain, vous devez savoir ce que ça veut dire, tu vois, peu importe l'âge que vous avez, vous devriez comprendre ce que ça veut dire entre guillemets, tu vois. Donc je dis, voilà, entre guillemets, il est gratuit. Alors, j'explique bien dans la vidéo qu'il faut mettre 20 € en argent réel, et que si vous mettez 20 € en argent réel, vous avez le skin plus le sac à dos, et là, vous allez être remboursé de 2000 V-Bucks. Donc ça veut dire que le skin, au final, il t'a coûté... que dalle, parce que t'es remboursé des 2000 V-Bucks, tu vois, et que c'est un skin, ben, normalement, qui devrait coûter 2000 V-Bucks, donc 2000 V-Bucks, c'est 20 €. Là, vous payez 20 € en liquide, vous êtes remboursé de 2000 V-Bucks, donc 2000 V-Bucks sur Fortnite, c'est 20 €. Donc voilà, pour moi, c'est entre guillemets gratuit. Alors, comme c'est entre guillemets gratuit, c'est pas un putaclic, c'est pas un truc pour vous faire chier, c'est un truc qui est entre guillemets gratuit, donc c'est la vérité. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est pas pour vous faire chier que je fais ça, mais qu'est-ce que je fais? Ben, je mets un titre où il est marqué gratuit. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi moi je fais ça? Parce que je suis youtubeur, frère, et que mon objectif sur YouTube, c'est de gagner de l'argent, tu vois, de l'argent, un minimum pour en vivre, pour pouvoir vivre de ma passion. Quand je serai Gotaga et tout ça, que j'aurai un revenu et que ma communauté le suivra quand je fais des lives, tu vois, et que, je sais pas moi, enfin voilà, que j'aurai une putain de communauté et que j'aurai des putains de projets en cours et tout ça, j'aurai pas besoin de faire des vidéos sur les skins gratuits. Là, je fais des vidéos sur les skins gratuits parce que bah, ça alimente ma chaîne et le titre, c'est tout simplement un titre aguicheur. Même Squeezie, il avait fait une vidéo pour expliquer comment faire pour réussir sur YouTube et tout ça, et il a dit, il faut que votre titre soit aguicheur. Il faut que votre miniature soit intrigante et aguicheuse. N'hésitez pas à mettre votre tête sur les miniatures. Moi, je ne fais que appliquer ceux qui réussissent, enfin les conseils des plus grands, quoi, tu vois. Donc voilà, moi je fais que appliquer les conseils de Squeezie. Et après derrière, on fait quoi? Il y a des gens, ils viennent, ils m'insultent, ils me disent ouais, t'es con quoi, c'est pas gratuit et tout. Mais j'en ai banni, hein. Moi, il faut que vous sachiez. Donc là, le t'es con et toi, c'est celui que j'ai vu ce matin. Enfin, il y en avait deux ce matin, deux, trois. Et c'est une fille qui me dit, Christine, tu vois, elle me dit, ouais, t'es con ou quoi, c'est pas gratuit. Déjà, de 1, dans la vidéo, je vous insulte pas. Quand je vous réponds dans chaque coin de mes commentaires, je vous insulte pas, tu vois. Donc, me manquez pas de respect, tu vois. Parce que moi, je suis pas là sur YouTube pour me faire insulter. Les gens qui m'insultent, c'est tout simple, mec. Moi, je vous banne, définitif. Et j'entends plus parler de vous, tu vois. Et je garde que les fidèles, tu vois. Moi, j'aime ma communauté. J'adore ma communauté. Je rencontre des gens, ils sont insane, gros, tu vois. Je rencontre plein de gens. YouTube, c'est un nouveau... Un truc dans ma vie que j'essaye de mettre en place et qui m'apporte que du bonheur, tu vois. Et quand je vois des haters, ben moi, je fais... Hop, masque utilisateur. Quand je vois un type qui dit un commentaire, qui donne son avis tranquillement, calmement, qu'il n'est pas d'accord avec moi... Il n'y a pas de problème, frère, si t'es pas d'accord avec moi, chacun son avis, c'est, voilà, chacun pense ce qu'il veut, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais quand tu viens m'insulter, frère, attends-toi à une seule chose, c'est que tu vas être banni définitivement, mais quand j'offrirai des cadeaux, parce que moi je suis soit cool mec, mon pote, hein, et si je gagne de la YouTube monnaie, je vais pas laisser, je vais pas tout mettre dans ma poche, hein, je vais distribuer cette YouTube monnaie, tu vois, je suis pas un crevard, tu vois. Et ben le jour où tu vas me voir en live en train de faire, je sais pas moi, des donations pour les abonnés, tu vois, que je vous offre de l'argent, que je vous offre des cadeaux et tout ça, et ben toi, tu n'auras rien, mec, tu n'auras rien tout simplement parce que ben, je t'aurais banni, fou, tu vois. Et là, j'ai été un petit peu perturbé, je sais plus où je voulais en venir, mais attendez, je réfléchis 2 secondes. C'est bon, voilà, je me suis souvenu de ce que je voulais dire, c'est que il faut savoir que même si tu recrées un compte pour essayer de participer au concours que je suis en train de faire, moi, je fais pas gagner les randoms.
C'est très rare que je fasse gagner des randoms. Les randoms, ils gagneront des petits prix, tu vois. À chaque fois que je fais gagner quelque chose, je préfère que ce soit mes sponsors, mes modos, mes réguliers qui gagnent, tu vois. Les gens qui me soutiennent depuis longtemps et depuis le début. Donc si maintenant tu te crées un nouveau compte, tu fais le petit intello, genre ouais, allez, je m'en bats les couilles, tu peux me bannir, je me créerai un nouveau compte et je participerai à ton concours, bah tu l'as dans le cul, frérot, tu vois, tu l'as dans le cul tout simplement parce que je vais activer une petite, un petit paramètre que les randoms ne pourront pas gagner. Donc si tu gagnes, ce sera peut-être ouais, 10, 15, 20 euros. Et encore, faudrait que tu aies de la chance parce que des randoms, il y en a quand même pas mal sur ma chaîne qui arrivent, qui repartent, qui arrivent, qui repartent. Parce que voilà, je fais des vidéos à, comment dire, à contenu... d'actualité. Donc je prends beaucoup d'abonnés parfois je prends pas du tout d'abonnés, parfois je fais beaucoup de vues, parfois je fais pas beaucoup de vues. Donc voilà, c'est complètement instable. Mon graphique de statistique est complètement instable. Donc voilà, le jour où... Enfin de toute façon, là je suis en train de divaguer, tu vois, là je suis en train de divaguer. Qu'est-ce que je raconte là? Enfin, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer que quand vous voulez donner votre avis, donnez-le tranquillement, simplement, soit cool mec quoi, tu vois. Et juste pour savoir que... Les remboursements de skins, les packs et tout ça, les V-Bucks gratuits. T'achètes un skin, tu reçois 100 V-Bucks en plus ou 500 V-Bucks. Enfin, moi, je mettrai souvent, entre guillemets, gratuit dans mon titre parce que c'est plus aguicheur, tu vois. Vous pouvez pas m'en vouloir. C'est comme si je faisais un film. Imaginez, je fais un film dans ma vie. Et le film, je mets, je sais pas moi, 50 millions d'euros pour la fabrication, tu vois. Pour la production, tu vois. Et quoi, je mets un titre, mais qui pue la merde, frère, qui pue la merde. Par exemple, la vidéo, j'aurais mis remboursement de skin vol de cœur déchu. Est-ce que j'aurais fait autant de vues? Est-ce que j'aurais eu autant de réactions? Est-ce que j'aurais eu autant de likes, autant de dislikes? Non, non. La vidéo, elle aurait fait 500 vues et puis basta, tu vois. Je suis obligé. Moi, je suis obligé de vivre. Je vis de YouTube. J'essaye d'en vivre. Donc si pour vivre de quelque chose, il faut essayer de gagner de l'argent. Donc je suis obligé d'essayer de mettre des titres un peu, pas putaclic, mais aguicheur. Un putaclic, ça veut dire que, faut savoir, hein, faut bien différencier. Un putaclic, c'est genre, dans le titre, je vais mettre une femme toute nue travaille, se passe derrière moi en plein live et qu'il n'y a rien qui se passe. Tu vois. Là c'est clair que là, c'est un putaclic parce que ça... Ça n'a aucun rapport avec la vidéo et ça ne se passe même pas dans la vidéo. Moi, je parle d'un truc qui est entre guillemets gratuit. Je parle du skin et c'est totalement ce que je fais. Donc, c'est pas un putaclic. C'est un titre aguicheur. Il y a une grande différence. Donc, il y a un type, il me dit « Ouais, je vais te signaler et tout. Espèce de fils de pute et tout. » Je fais « Mais what the fuck, tu vois ?» Mec, déjà, je l'ai banni directement. Tu vois, j'ai masqué l'utilisateur de ma chaîne. Mais en plus de ça... il faut qu'il sache que même s'il me signale pour ça, je suis totalement dans mes droits. Parce que je fais une vidéo où je parle d'un sujet, je ne suis pas, comment on dit, le type là qui faisait des concours, des fakes, je sais plus comment, on m'avait souvent appelé comme ça. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, lui il faisait des putaclic, genre il fait gagner des skins, des V-Bucks et tout ça. Il a pris un million d'abonnés en quelques mois sur Fortnite et il s'est fait bannir, tu vois. Il s'est fait bannir direct à l'instant parce que c'était des putaclics. Voilà, il s'est trop fait signaler, donc banni, supprimer la chaîne, et puis ciao, peace, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je suis pas comme ça, frère, je suis pas comme ça. Donc, je fais pas de putaclics, je fais des titres aguicheurs. Enfin, bref. Donc, moi, j'ai pas acheté le pack. Mais je me suis dit que c'est peut-être intéressant que je vous dise et que je vous tienne au courant du pack, que peut-être vous allez pas tous les jours dans la boutique, peut-être des abonnés à moi ne vont sûrement, c'est sûr, il y en a qui ne vont pas voir d'autres youtubeurs qui ne regardent que moi. Donc voilà, j'ai des potos qui sont pas fans de YouTube, donc ils regardent que mes vidéos à moi. Et ils regardent pas les autres youtubeurs. Donc en faisant cette vidéo, je les informe qu'ils peuvent avoir un skin gratuit, et entre guillemets gratuit, en achetant le pack à 20 euros. Comme ça, ils sont remboursés en faisant des défis. En plus, t'as carrément un petit objectif où tu dois faire une histoire de 13 défis. Non, 6 défis pour récupérer tes V-Bucks. Donc ça te donne envie de jouer, tu vois, ça te donne un petit plus. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant, c'était un sujet de vidéo, ça donnait du contenu à ma chaîne, c'est sur le thème de ma chaîne. Voilà, j'avais tout de bénéfice à faire cette vidéo. Mais c'était pas pour vous enculer, c'était pas pour genre vous troller, pour vous mentir. Je suis pas un enfoiré, tu vois, je suis soit cool mec et je resterai fidèle à moi-même, quoi. Tu vois, je resterai fidèle à moi-même. C'est sûr que je fais des trucs aguicheurs, que je fais des vidéos parfois peut-être pas très utiles.
Mais voilà, moi je trouve que voilà, ça donne du contenu à ma chaîne. Vous préférez quoi? Avoir un youtubeur qui fait zéro contenu et qui hésite à chaque fois, qui réfléchit 50 millions de fois, 50 ans avant de faire une vidéo? Ou un youtubeur qui fait les vidéos, ben vas-y, à l'arrache, il se dit vas-y, viens, on fait cette vidéo, elle me semble bien, je pense que ça peut intéresser à la communauté, vas-y, je me lance, tu vois? Ben ça moi je préfère être comme ça, tu vois, que réfléchir 50 000 ans et pour rien, tu vois, et puis au final, je fais pas la vidéo parce que tout le monde l'a déjà fait, et puis je suis en retard de 10 ans, et puis voilà, tu vois, ça craint. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 6 mois, je faisais des vidéos, parfois, qui duraient 10 minutes, tu vois, 10 minutes, parce que ben, je racontais ma vie, et tout ça, dans les défis, je racontais ma vie pour donner une touche de personnalité, tu vois, et parce que je me suis dit, ben voilà, il faut que j'essaye que la communauté aime ma personnalité, qui s'intéresse à moi et tout ça. Bon, j'ai remarqué que vous en battez les couilles, mais complètement de ma gueule, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de raconter ma vie dans les vidéos tuto ou les vidéos défis. Je vais juste vous expliquer le défi même. Alors, parfois, il y a des gens qui me disent, ouais, on dira au repos et tout, tu vois. Bah, désolé, tu vois, c'est parce que quand j'ai un blanc, eh ben, je coupe le blanc, tu vois, je vais pas laisser le blanc pour que la vidéo, elle soit plus grave. Je condense mes vidéos, donc ça fait bam, tu vois. Comme ça, en une minute trente, deux minutes, même pour les tutos que Call of Duty, hein, je suppose que vous allez, il y a des personnes de Call of Duty qui m'ont connu, qui regardent mes vidéos, vous savez très bien que mes tutos, ils étaient super long, parfois il y a même un tuto, gros, il a duré une heure, gros. C'est le tuto complet, quoi, de A à Z, hein. Je pense que je bois même une tasse de café avec vous pendant le tuto, c'est pas possible, tu vois. Non, mais j'ai compris que vous vous en battez les couilles. Alors maintenant, j'essaye de faire du travail un petit peu plus professionnel. Comme ça, ben, je pense que vous êtes content, vous êtes satisfait, moi je suis satisfait, tout le monde est satisfait. Enfin bref, je pense que cette vidéo va déjà durer assez longtemps. Logiquement, je vais mettre quelques pubs dans cette vidéo. Ne soyez pas choqués si vous en voyez 5. J'en mets... Quand je dépasse 10 minutes, je mets une vidéo, une pub à la fin, une pub au début, une pub à la moitié et une pub entre les deux. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je mets 5 pubs pour 10 minutes. Tu vois. Voilà, il faut bien gagner sa YouTube Money. Et puis, je suis pas le seul à le faire. Et aussi, le skin... truc gratuit là, voleur de cœur déchu gratuit. Je suis pas le seul à avoir noté ça. ZRK, Baesanka, tous les youtubeurs, ils font des miniatures, les mecs, encore pire que moi, quoi, tu vois. Ils mettent par exemple la saison 8 gratuit avec 50 000 V-Bugs en haut à droite, le skin qui sortira peut-être même pas. Tu vois, ils font des trucs aussi aguicheurs, tu vois. Donc arrêtez de m'insulter en commentaire parce que, ben, de toute façon, insultez-moi. Au moins, je vois votre personnalité et après, ben, je vous banne, quoi. Tu vois, je vous banne, tu vois, direct. Moi, ça me dérange pas, tu vois. Parce que moins il y a de cancer sur ma chaîne, mieux c'est pour moi, tu vois. Quand je me lève, quand je vais regarder une vidéo, je vois pas. Des pavés d'insultes, tu vois. Et ça me fait plaisir, tu vois. Moi, je préfère voir des bons commentaires où on me dit, ouais, sois cool, tu gères, continue, je te kiffe, avec des petits cœurs, même un petit like, des petits cœurs. Plus je vois les likes, plus je vois les commentaires, plus ça me motive à continuer et à faire du lourd. Et tu vois, ces temps-ci, j'ai une de ces motivations explosantes, tu vois. Je suis vraiment motivé. Et aujourd'hui, j'ai travaillé jusqu'à 6 heures du matin. Vous voyez le petit GIF là qui danse là, le petit skin qui danse en bas à droite de l'écran de jeu. Et ben ça, c'est moi qui l'ai fait pendant 6 heures, mon gars. J'ai travaillé pendant jusqu'à 6 heures du matin. J'ai fait 8 heures, 4h30 d'enregistrement, 3h30 de montage. Et puis après, ben, j'ai dû attendre 2 heures de rendu, etc. Puis après, faire un incrusté, puis le mettre sur OBS et tout ça. Mais voilà, je suis tellement motivé que je me lance dans des projets. Ouf, pour que ça vous plaise et tout. Donc voilà, vous êtes ma force, vous me donnez vraiment de la motivation de ouf. Hop, on va relancer ça. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Franchement, je vous kiffe, les mecs, je vous kiffe de ouf. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait, bien sûr. Moi, je pense que j'ai tout dit. La vidéo va durer un petit peu plus longtemps que je l'aurais prévu. Mais c'est pas grave. Et voilà, c'était un petit coup de gueule, un petit message pour la communauté, et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc il y a un petit, bah voilà, c'est un petit peu un coup de gueule, mais un petit peu coup de gueule humoristique, hein, tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit.
J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, poto. Alors n'hésite pas à liker, à partager et à mettre mon petit code créateur sur Fortnite parce que franchement, c'est insane. On a atteint, là, on a atteint 130 soutiens. Je peux pas vraiment dire mes revenus, mais je vais faire une vidéo là-dessus, plus ou moins cette semaine, enfin à la fin de cette semaine, donc aujourd'hui ou demain. Et si c'est pas aujourd'hui ou demain, bah, je la ferai la semaine prochaine. Mais je ferai une petite vidéo pour vous expliquer, entre guillemets, ce que je gagne. Et vous remercier pour tous les soutiens que j'ai. Donc là, on est 133 soutiens. C'est quand même énorme. Alors, il faut savoir qu'il faut 2000 soutiens pour avoir les parties personnalisées. Donc, on en est loin. Mais voilà. C'est quand même énorme, tu vois. 133 soutiens, c'est énorme. Donc voilà, enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'y mets un terme, sinon ben, je vais continuer à parler toute ma vie, tu vois. Sauf que c'est pas possible. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous kiffe et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool au Mike. Et ciao. Peace. I'm me.